Donc salut à tous, c'est Mamboléo de la Team Fury. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay de Modern Warfare 3 sur PC avec Tigre. Salut tout le Donc monde. c'est. Donc ce gameplay, donc c'est le mien. Petite moab de ma part, hein, vu que je suis PGM par nature. Sanitaire. Enfin, je pense que... Donc cette vidéo on fait cette vidéo pour le lancement de la chaîne de la Team Fury. Hein. Donc on va poster principalement du Modern Warfare 3, donc sur PC. Et ouais, du Battlefield pour ceux qui ont Battlefield sur la team. Donc on est deux ou trois à l'avoir, donc il y en aura. Beaucoup moins que Modern Warfare 3 vu qu'on est principalement une team Modern Warfare 3 que Battlefield. Mais je pense que des fois on ira quand même sur les autres Call of. Hein. Oui, c'est possible que on poste des vidéos Modern Warfare 2, Black Ops, Code 4 aussi. Ouais, Code 4. Donc au début, je pense qu'on va essayer de vous poster 3-4 vidéos. Assez rapidement. Ouais. Et après on gardera un rythme de une vidéo par semaine. Et dans à peu près un ou deux mois on a prévu une frag movie. Ouais, donc frag movie je pense essentiellement sniper. Hein. Après peut-être si quelqu'un de la team fait vraiment une très belle action, c'est possible que ça se retrouve dedans. Ouais, bon. Enfin, tout ça on verra peut-être si ça marche. Donc le gameplay, donc moi de ma part, mais vraiment beaucoup aidé par donc toi Tigre. Ouais. Il y avait Fake, bon lui il était plus en mode rush. Hein. Ouais, avec son fusil. Ouais. Et sinon ta classe. Donc ma classe je joue avec l'UMP silencieux et tir rapide. Je joue en arme secondaire avec le P99 couteau tactique. En premier atout, je joue avec conditions extrêmes, avec en deuxième atout assassin et en troisième visée solide. Et comme vous pouvez voir sur le côté, je joue toujours en spécialiste, ça m'arrive assez rarement de changer. Ouais, je joue avec pillard, bonne gâchette, passe-passe. Comme moi, je joue presque tout le temps spécialiste. Parce que le soutien déjà, j'aime pas trop. Pas trop, oui, c'est vrai. C'est vrai que soutien, je trouve vraiment ça abusé, quoi. Je veux dire, le mec il mord pas, mais il ça sert et continue. Hein. C'est en plus dans soutien, il y a toujours les ouais, fameux bombardiers furtifs et bombes IEM. Il meurt et il continue. C'est... Donc assaut, moi franchement j'aime bien, mais ouais, vu moi que aussi, mais... c'est pas comme Modern Warfare 2, ça ne compte pas pour la bombe nucléaire. Moi personnellement, je l'utilise pas vraiment. Je dois avoir une ou deux classes, hein, mais vraiment, je joue uniquement aux spécialistes pour faire les MOAB. T'as eu de la chance, hein. Tout à l'heure, là. Et ouais, petit coup de chance, hein, on n'y peut rien, c'est comme ça. Je sais même plus ce que je voulais dire. D'accord, donc aussi on essaiera de faire quelques vidéos. Vu qu'on est sur PC, nous on a des serveurs dédiés, on fera peut-être des vidéos sur des serveurs Only Snipe ou voilà. Peut-être enfin infecté, une balle chargée, ça dépend. On fera ouais, sûrement des petits mods comme ça. Ouais. Parce que, des serveurs sur PC. Donc on essaiera aussi de poster un gameplay par personne, enfin je veux dire assez équilibré, que ce soit pas toujours le même qui poste. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense qu'on sera à peu près 4-5. Bon, je pense pas vraiment plus, hein, je veux dire. À part si Flyer, le chef de notre team, et Blue Ghost, qu'ils ont déjà une chaîne YouTube avec. Pas mal d'abonnés, enfin surtout pour Blue Ghost. Oui, parce que ils ont déjà une chaîne YouTube. Bon, on vous mettra les liens dans la description, hein. Et même s'ils veulent pas, on le mettra quand même. Donc
aussi ça nous, enfin ça nous arrive. Ça arrive à nos chefs de team, donc Flyers, de faire quelques lives aussi sur Modern Warfare 3 ou même Star Wars, hein, parce qu'en ce moment il geek pas mal dessus. Bah moi j'ai pas vraiment essayé, donc je peux pas vraiment donner mon avis, mais le peu que j'en ai vu, moi j'aime bien. Mais c'est pas vraiment le jeu que je jouerai beaucoup dessus. J'y jouerai une fois de temps en temps. Bah là j'ai commencé à pas mal TG. Ouais, là tu venais, tu m'éclairais un peu, hein, mais j'avais un peu de peur. Je t'ai volé quelques kills. Oui. Il en faut, hein. Tu vas pas tout me laisser non plus, mais bon. Quand tu pourrais. Ouais. Donc là, je commençais un peu à stresser, mais pas énormément non plus, hein. Je reste souvent calme. Ouais, calme. Chaque fois que, de toute façon, tu fais une voix, tu restes tout le temps calme. Ça m'arrive même des fois de rater une mob quand je suis à 23 kills que je me fais tuer et je ne rage même pas. Souvent les gens de la team, par exemple Blue Ghost, une fois il m'a déjà dit mais comment tu fais, c'est pas possible, tu n'es pas humain. J'avoue. Non mais c'est vrai que t'es quand même assez zen. Bah j'essaie de rester zen, hein, comme ça je reste pas mal concentré, hein, focus. Carrément, je commence à parler anglais. Si vous voulez, j'essaierai, bon, pas tout de suite vu que là il y a déjà un de mes gameplays, mais plus tard de vous poster une vidéo où je parlerai uniquement en Nelson Montfort. Ouais, j'avoue, c'est assez cool. Donc, si vous voulez déjà avoir un avant-goût de Nelson Montfort, allez, vidéo de Flyer qu'il a posée sur sa chaîne où on était en live et je faisais un peu le fou. Elle est assez marrante. Voilà la moab. Ouais voilà, PGM attitude. Et t'as fait une série de combien en tout? On voit pas, mais je crois que j'ai fait 30 ou 31. Ouais, c'est déjà ça quoi. Et ouais, encore quelqu'un qui rageait parce qu'il y avait une moab. Oui, hein, toujours les gens qui disent tu hack, c'est pas possible. Hein, les gens ne pensent pas que la MOAB peut être décrochée sans hack, mais oui, hein, c'est possible. Ouais. Moi, je voulais juste poser une question à ceux qui regarderont la vidéo. C'est juste pour savoir quel est votre snipe préféré. C'est vrai que ils sont tous assez bien, mais moi je, avec mon bone, une préférence pour le barret. L'amour de mon père, le Nick, mon précieux, le barret. Oui, donc aussi vous voulez mettre dans les commentaires, hein, si vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale. Par exemple, si vous voulez qu'on joue uniquement au bouclier anti-émeute, au fusil à pompe, au stinger, bon, ça c'est un peu plus dur. Ouais, ça pourrait être pas mal. Avec nos réactions en live. Ou aussi, on essaiera de vous poster des vidéos où on se donne des classes aléatoires avec des générateurs de classes. Ah oui, oui. Pas vraiment facile à jouer, hein. C'est ouais, vraiment dur, quoi. Je veux dire, on peut tomber sur des armes qu'on n'a pas l'habitude de jouer, qu'on ne connaît pas vraiment. Comme le La dernière fois, moi je suis tombé sur un PM9 avec chargeur grande capacité. J'ai jamais joué cette arme. J'avais galéré comme un pamplemousse. Le PM9, moi j'aime bien. Mais faut pas viser avec, par contre. Vous pouvez voir, j'ai des expressions un peu bizarres. Je viens juste de l'inventer, pamplemousse. Passe par la tête comme ça. Oh, pamplemousse, tu entends? Oui, donc ça m'arrive des fois de faire des petits coups de souris comme ça, parce que je suis tout cake de l'avoir tué. Hein, ça m'est déjà arrivé de danser derrière un AFK et qu'il sort ton aim et qu'il me tue. Hein, c'est bien le seum, là, c'était en R&D, je crois pas que t'étais là, Tim. Non, je crois que j'ai... Pas.
J'étais avec Niafran et Crazy et c'était en R&D, il en restait plus qu'un. Et... Enfin c'était un contre deux, j'avais réussi à en tuer un. Et le dernier était FA, j'étais au spawn, je m'amusais à danser autour de lui. Et il m'a cut, hein, c'est... Il était AFK, non? J'avais vraiment le seum, hein, j'aurais pu le tuer, mais non, je me suis dit, je vais faire un petit coup de fun, je vais danser autour de lui, et non, il m'a littéralement stoppé. Juste un truc, le sniper est pas bien, Michel. De quoi? Là, c'était tout, à part la grenade. Je peux... Ah bah oui. Je savais même pas qu'on pouvait la coller. Ah bah moi non plus, moi j'avais vraiment le seum quand je l'ai collé. Je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, je vais mourir. Du coup j'ai couru comme un fou, j'ai fait un petit saut en mode de lapin furé, je sais pas trop. Ouais, mais moi je croyais que t'allais crever. Moi aussi, hein, quand je l'ai jeté, je me suis dit, oh putain, je suis mort, mais bon, j'essaye, et là, j'ai vu que je n'étais pas mort, j'étais tout cake. Elle est belle la kill cam, avec le petit saut. Eh oui, kill cam en double. Allez, c'est pas mal. Le mec il tombe carrément sur la statue. Donc voilà, on va vous laisser sur cette magnifique vidéo de moi. En même temps, tout ce que je fais, c'est magnifique. Hein, En même temps, on va pas poster un gameplay moche. Oh, si, c'est possible. Comment tu veux qu'on pose des trucs avec Niafron? Non, c'est petite blague. Ouais, bah, c'est vrai que on vous montrera une vidéo de Niafron, c'est assez drôle. Bon, voilà. Bon, on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.